tu peux imaginer de mettre différents systèmes de culture pour tes plantes connectées à ton bac. Le bac ouvert, échancré, comme le proposait Bruno, très largement. Éventuellement, dans un deuxième bac, on fera un système de thé et ça s'écoule dans deux bacs différents. On est à la mine, la manufacture des idées et des nouvelles expérimentations, qui est le lieu d'activité, le local d'activité d'une association qui s'appelle La Paillasse Saône. C'est un laboratoire de recherche et d'expérimentation citoyen. Pour dire plus simplement, c'est un espace qui vise à laisser la liberté à tout citoyen de venir tester et expérimenter des projets sur des modes de consommation et de production durable. Le leitmotiv, c'est en premier lieu l'appropriation citoyenne des systèmes, qu'ils soient technologiques, politiques ou économiques. Donc au-delà, en effet, de tout l'aspect, on va dire, écologique ou bien économie alternative, le but, c'est de tester des modes de consommation, de production et des modes de vie durables. Je ne dirais pas forcément alternatifs, mais on va dire différents ou en tout cas non conventionnels par rapport à ce qu'on peut trouver notamment dans le cadre de l'économie classique, des modes de gouvernance classiques, mais aussi des technologies classiques qu'on peut trouver dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du bâtiment, de l'agriculture ou quoi que ce soit. Si je prends dans le domaine de l'énergie par exemple, on a un projet qui s'appelle OMM, Open Micrometa, qui est un projet de microméthanisation. Donc la microméthanisation, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de créer du gaz, de faire du gaz, à partir de déchets ménagers organiques. Ce qu'on fait, c'est on fait fermenter des déchets ménagers organiques dans une grosse poubelle, on récupère le gaz de fermentation, qu'on traite pour pouvoir faire du gaz de cuisson, donc le gaz qui arrive à votre cuisinière par exemple. Voilà, le but, c'est vraiment de relocaliser la production d'énergie et de changer la perception du déchet en considérant le déchet non plus comme un déchet, mais comme une ressource. Il faut bien comprendre que tous les projets qui sont développés à La Paillasse Saône sont open source, c'est-à-dire libres de droit, une propriété intellectuelle qui est basée sur des licences libres, et donc il n'y a pas de propriété d'usage. Au final, tout le monde peut s'approprier les technologies qui sont développées dans le cadre de La Paillasse Saône pour monter sa propre activité économique, pour l'améliorer, pour la hacker. Bref, le but, c'est de créer du commun. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, baby, don't you mind? He's just a friend, he's just a friend, he's just a friend of mine.